الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أكرم الأكرمين شيخ خير شيخ سيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons, incha'Allah, comme d'habitude, passer ces quelques minutes ensemble autour d'une thématique, autour d'un sujet, incha'Allah, qui nous sera tous utile. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Inna iddata shuhuri inda Allahi thna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda » منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله سبحانه وتعالى nous fait savoir dans le Coran, dans ce verset qui se trouve dans Sourate At-Tawba, le repentir, qu'il a créé 12 mois. 12 mois parmi lesquels il a rendu 4 sacré. Il a créé 12 mois lunaires et parmi ces 12 mois, il en a rendu 4 sacrés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle « Fala tazlimu fihinna anfusakum » tenez-vous bien, ne soyez pas injustes vis-à-vis de vous-même. Ne faites pas preuve d'injustice vis-à-vis de vous-même pendant ces 4 mois sacrés particulièrement. Et globalement, dans un sens encore plus large, tous les 12 mois et toute l'année. Si Allah subhanahu wa ta'ala rend un mois ou des mois sacrés, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ces mois sont mis en avant. C'est des mois pendant lesquels le croyant doit faire attention à certaines choses. C'est des mois pendant lesquels le croyant doit faire preuve de vigilance, de clairvoyance et d'aller dans le sens du développement de sa spiritualité. Nous avons entamé depuis quelques jours le mois Rajab. Le mois Rajab, qui est un des 4 mois sacrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. C'est l'occasion ici de rappeler l'importance de ce mois et les événements, quelques événements qui sont liés, qui se sont déroulés pendant ce mois béni de Rajab. Allah subhanahu wa ta'ala d'abord nous dit: la chose la plus importante pendant ces mois bénis, pendant ces mois sacrés, c'est de faire attention à ne pas tomber dans des péchés. Et si nous étions dans des péchés, c'est d'essayer de s'en sortir et d'essayer de faire attention. Et en tout cas, de ne pas considérer le temps, vivre comme si rien n'était. Ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus sacrés. Ce mois Rajab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ils commençaient à préparer Ramadan pendant ce mois. Parce que vous savez, moins de 2 mois nous séparent du mois de Ramadan maintenant. C'est pour ça les savants appelait ce mois de Rajab Shahru al-Ghiras. C'est le mois de la préparation de la semence. C'est pendant ce mois de Rajab
qu'on commence à se mettre dans l'état d'esprit de Ramadan. Pendant le mois suivant, Sha'ban, ce sera le mois de la semence et Ramadan sera le mois de la récolte. Pour mieux illustrer ceci, il ne faut pas attendre deux ou trois jours ou quelques jours avant Ramadan pour commencer à se mettre dans l'état d'esprit de Ramadan. C'est ce qui fera que ceux qui attendent de commencer fort avec le début de Ramadan, eh bien, au bout de quelques jours, avant d'arriver, puisque vous savez, le mois de Ramadan, c'est un mois de pardon, c'est un mois de miséricorde, mais il y a la première dizaine qui a des caractéristiques, la deuxième dizaine qui a aussi des caractéristiques, et la troisième dizaine. Et parmi ces trois dizaines, ces trois tranches, la plus importante reste et demeure la dernière dizaine, parce que c'est dans la dernière dizaine de Ramadan que se trouve la nuit du destin, Laylatul Qadr, la nuit du destin que tout croyant rêverait, hein, aspirerait à voir les bénédictions et les récompenses de cette nuit. Donc, attendre le mois de Ramadan sans entraînement, sans se préparer, sans être dans cet état d'esprit de Ramadan, eh bien, c'est commencer fort. Et vous savez, dans la pédagogie d'Allah subhanahu wa ta'ala, même Allah, quand il nous demande de faire quelque chose, il ne le demande pas de manière brusque. Il prépare les esprits, il prépare la foi, il prépare l'acceptabilité et la facilité de l'acte qu'il va nous demander par la suite d'accomplir. Et il en est de même, pour réussir, bien réussir son mois de Ramadan, il faut commencer à se préparer bien avant. Et les savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons nous ont illustré cela. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'illustration de ce que je viens de dire, il nous apprenait quoi ? Cette invocation. Il disait quoi ? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Le baraka, c'est az-ziyada, ce qu'on appelle az-ziyada, l'abondance de la misère, de la bénédiction ou de bonnes choses en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait cette invocation à faire pendant ce mois de Rajab. Ô Allah, bénis-nous ce mois de Rajab et le mois de Sha'ban, qui est le mois qui suit Rajab, et fais-nous parvenir au mois de Ramadan. Vous voyez, ça c'est un état d'esprit de préparation pour un mois de Ramadan réussi. Et l'une des particularités de ce mois de Rajab, c'est que c'est pendant ce mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a eu ce grand événement de l'islam qui est marquant, hein, qui n'est autre que l'Isra ou l'Mi'raj. L'ascension, le voyage nocturne, ou je ne sais pas par quel autre terme on le traduit, mais vous aurez compris que je parle de l'Isra ou l'Mi'raj, le voyage nocturne, l'ascension. Eh bien, c'est pendant ce mois de Rajab. Et vous savez, tout ce qui s'est déroulé, tout ce qui s'est passé pendant ce voyage nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala le fait partir de Mecca à Al-Quds, Palestine. Et de la Palestine, Allah subhanahu wa ta'ala le fait monter au ciel. Pendant ce voyage, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré tous les prophètes et messagers qui sont venus avant lui. Vous savez, pendant ce voyage, Allah subhanahu wa ta'ala a montré le paradis au prophète. Il a montré l'enfer au prophète. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et c'est pendant ce voyage que la prière, elle a été légiférée, elle a été ordonnée. Vous vous rappelez,
beaucoup. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. L'objectif de ce voyage, de cette ascension, de ce voyage nocturne, c'était pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre au prophète sallallahu alayhi wa sallam des signes grandioses. N'est-ce pas énorme et extraordinaire qu'en une nuit, voire en quelques heures, en quelques instants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam part de Mecca, il arrive en Palestine, Al-Quds, et de là-bas, il fait le voyage nocturne. On lui montre le paradis, on lui montre l'enfer. Il croise les prophètes et messagers. Il fait des prières avec eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala légifère la prière. Ayat, ayat. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui montre des signes énormes de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était ça le but de ce voyage nocturne. Et fi'lan. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Dans une autre sourate, Allah subhanahu wa ta'ala décrit cette ascension, ce voyage. À la fin, il dit, certes, il a vu des signes énormes, des signes de son Créateur. Et vous, la prescription de la prière, c'était pendant ce mois de Rajab, lors de ce voyage nocturne. Rien que ça, ça nous suffit pour qu'on se mette dans cet état d'esprit de se rémémorer, si le terme il est bon, se rappeler de ces événements et à travers ces événements fortifier sa foi, mais aussi et surtout, et c'est là que j'ai envie d'en venir, développer sa spiritualité. Il faut que ce mois de Rajab soit un tremplin, un mois de préparation dans le sens de la spiritualité, dans le sens des adorations, pour monter en créneau tout doucement et que, avec l'arrivée du mois de Ramadan, qu'on soit pleinement en forme, et physiquement, et spirituellement, et dans tous les aspects, dans tous les autres aspects qui nous permettent d'avoir un Ramadan réussi. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Première chose, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. La première chose et la plus importante, c'est d'essayer de lever le pied si vous étiez dans un péché, si vous étiez dans une insouciance. Nous essayons de batailler et de ne pas commettre de péchés, en tout cas des péchés majeurs pendant ce mois de Ramadan. Et pour les péchés mineurs, les prières que nous faisons, les invocations, l'istighfar que nous faisons, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va les effacer. Mais abstenons-nous de tomber dans les grands péchés. Pourquoi? Parce que le péché commis pendant un mois sacré n'a pas la même portée que ce même péché commis en dehors des mois sacrés. Et il en est de même, la bonne action qui a été faite pendant ces mois sacrés n'a pas la même portée que la même bonne action que vous aurez fait en dehors des mois sacrés. C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus sacrés. C'est pour nous tendre cette occasion de multiplier la récompense, les rétributions qui sont liées à ces mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, première chose, le fait de faire des efforts pour ne pas tomber dans des péchés majeurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et qu'il nous en pardonne pour ce qui s'est passé et que nous donne la force vraiment de pouvoir tenir. Allah le précise. La tazlimu fihinna anfusakum.
Ne faites pas preuve d'injustice vis-à-vis de vous-même. Et être injuste vis-à-vis de soi-même, c'est commettre des péchés graves, hein, des péchés en général, tomber dans le shirk, tomber dans les péchés capitaux, les péchés majeurs, tout ça. On se repentit, on revient vers Allah et on essaye de ne pas tomber sur cela. Et à l'opposé, ou à côté de cela, si on essaye de faire des efforts, parce que oui, ce qui nous permet, nous donne la force de vraiment éviter ces péchés, c'est de compenser ces efforts dans le bien, faire des bonnes actions. Et là, parmi les bonnes actions à faire, dans l'esprit de préparer Ramadan, c'est de peut-être jeûner. Jeûner un jour sur deux. Jeûner les lundis et jeudis. Jeûner les 13, 14 et 15 de ce mois. Hein, et tout en se mettant dans ce cheminement, dans cette préparation, cet état d'esprit de préparation du mois de Ramadan, puisque Ramadan va arriver dans quelques semaines, Inch'Allah. Donc faire beaucoup de bonnes actions. La sadaqa, hein. Qu'est-ce qui nous empêcherait de se donner une, si vous voulez, une sorte de prendre une sorte de résolution et de se dire chaque jour je ferai une aumône. Parce que faire une aumône, c'est pas forcément de sortir à chaque fois 10, 15, 20, 50 euros, 100 euros de sa poche et donner. Rappelez-vous, le professeur Azlam nous dit: le simple sourire en face de ton frère ou de ta sœur constitue une aumône, une sadaqa. Chaque jour et à chaque instant, en fait, on a la possibilité de faire sadaqa. Soit sadaqa par les biens matériels ou par l'attitude qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui nous empêcherait chaque jour de se dire, Inch'Allah, tous les jours, je donnerai une aumône, je donnerai une sadaqa. Qu'elle soit de l'argent, qu'elle soit un autre bien, qu'elle soit une idée, qu'elle soit une quelconque aide à quelqu'un qui est dans la nécessité et qui est dans le besoin. Aller au-delà de ça, celui qui a besoin de ton sourire, eh bien cela constitue pour toi une aumône. Donc chaque jour, on a la possibilité de faire une sadaqa. Pourquoi on ne profiterait pas, on ne prendrait pas cette occasion qui nous est tendue par Allah subhanahu wa ta'ala. Éviter les péchés. Commencer à s'entraîner par le jeûne, la prière et surtout, et c'est le dernier élément, l'évocation et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Zikr. Zikr, quand je dis zikr, c'est quelque chose de très large. Coran, dua, des invocations. Des évocations. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa lillahi alhamd, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli. L'invocation et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aller dans l'abondance de cela pour que, Inch'Allah, le mois de Ramadan nous trouve dans un état d'esprit qui nous permet de commencer, d'attaquer, rentrer dans Ramadan avec sérénité, avec spiritualité, avec, si vous voulez, force, et ne pas attendre, parce que c'est ce qui se passe souvent. Quand c'est le mois de Ramadan, ça y est, on sort toutes les cartouches, on attaque fort. Et plus le Ramadan avance, plus on perd cet engouement, cette force qu'on n'a pas essayé d'installer dans la durée. On ne l'a pas installé dans la durée. Et malheureusement, après le mois de Ramadan, ça rechute, ça tombe. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, même après Ramadan, regardez, il nous permet de préparer Ramadan en y allant tout doucement, en montant en degré et en cran tout doucement avec le mois de Rajab, avec le mois de Sha'ban, avant d'arriver à Ramadan. Et puis après Ramadan,
C'est pas de couper les bonnes habitudes qu'on a prises tout de suite. Non, c'est d'essayer de les conserver. C'est pas pour rien que il y a la sunna va dans le sens de encore légiférer le jeûne après le mois de Ramadan, comme les 6 jours de Shawwal, et ainsi de suite. Descendre tout doucement et essayer de garder des restes et les bonnes habitudes qu'on a pu avoir et acquérir pendant le mois de Ramadan. Donc le message d'aujourd'hui était essentiellement ceci. On est dans un mois sacré, Rajab, 2 mois avant le mois de Ramadan. Et Rajab, c'est un mois pendant lequel on doit commencer à se préparer pour le mois de Ramadan. Pour bien réussir son mois de Ramadan, c'est maintenant qu'il faut se mettre dans cet état d'esprit, le repentir, le fait d'éviter les péchés, le fait de s'entraîner dans les bonnes choses, la prière de nuit, même si c'est 2 raka'at par nuit, ou 2 raka'at toutes les 2 nuits. Tu commences tout doucement et tu t'habitues. Comme ça, avec l'arrivée de Ramadan, tu es déjà habitué à l'aumône, tu es déjà habitué à la prière de nuit, tu es déjà habitué au jeûne, tu es déjà habitué à la lecture du Coran et au zikr. Et à ce moment-là, ton Ramadan ne sera que miséricorde, ne sera que, si tu veux, plaisir et non pas une contrainte. Parce que tant que la religion, la pratique de la religion est une contrainte pour toi, c'est qu'il y a quelque chose encore qui manque. Soit tu devras travailler sur la foi ou encore sur, en tout cas, ces aspects qui te permettent de prendre du plaisir en adorant Allah, prendre du plaisir en jeûnant, prendre du plaisir en lisant le Coran, prendre du plaisir en faisant la prière Qiyam al-Layl, les prières de Tarawih. C'est un plaisir. Seulement si on a bien préparé cela et on s'est mieux préparé pour être dans ce plaisir et dans cet état d'esprit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous permette d'avoir cette compréhension qui nous plonge dans la préparation de Ramadan et de profiter de ce mois sacré qui est Rajab que nous sommes en train de vivre. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.